Chers membres et sympathisants du FNDC, chers concitoyens, peuple de Guinée, aujourd'hui est un grand jour. Sera inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la Guinée. Vous ne pouvez imaginer toute la fierté que je ressens en m'adressant à vous tous ici présents. Aussi loin que je porte mon regard, je vois la Guinée dans toute sa diversité sociale. Cela me donne des raisons de croire que le peuple de Guinée est un peuple qui est certes patient, mais un peuple combattant, curieux et déterminé à réclamer ses droits lorsqu'ils sont bafoués. Et ce, quel que soit le prix à payer. Lorsque nous nous sommes engagés dans ce combat noble pour la défense de la Constitution, on avait une seule crainte, celle de nous retrouver seuls contre ce pouvoir sanguinaire et insensible à la détresse de son peuple. Vous êtes les deux fils des pères fondateurs de cette nation et de toutes les valeureuses personnes qui ont œuvré pour que la Guinée soit toujours debout et fière. Peuple fier de Guinée, il y a toujours 7 mois, précisément le 3 avril 2019, que certains de tes fils ont décidé de se dresser en bouclier contre tes velléités. De plus en plus d'insistance, le sentiment de notre consistant pour empêcher l'alternance démocratique en Guinée. De l'avis de tous les observateurs, le combat du FNDC semble perdu d'avance. Mais c'est sans compter sur le courage, la persévérance et l'abnégation des membres fondateurs de ce mouvement citoyen, composé des acteurs convaincus de la société civile, des acteurs politiques déterminés, des syndicalistes irréductibles, des artistes conscientieux, des hommes et des femmes intègres et des citoyens engagés. À peine créé, le FNDC a mis en essai tous les plans machiavéliques des promoteurs du troisième mandat. Plus tard, le FNDC a renforcé sa présence sur le terrain en installant des antennes dans toutes les localités du pays. Pour ceux qui doutent encore, sachez que la force de frappe du FNDC devient plus redoutable chaque jour qui passe. Oui, grâce à l'implication individuelle et collective de vous tous ici présents. Vaillant peuple de Guinée, ta mobilisation d'aujourd'hui est un message fort à ceux qui ont sous-estimé ta capacité à être capable de prendre ton destin en main. Du haut de cette tribune,
Mais pensez-vous à l'endroit de tous mes compagnons de lutte qui ne sont pas là pour apprécier l'expression de l'adhésion du peuple de Guinée au FNDC. Je vous invite donc à célébrer nos héros qui sont actuellement en prison, afin que nous ressentions la vibration de notre cœur qui bat à l'unisson et la force de nos pensées qui convergent vers eux en ce moment solennel. Élie Kamano. Ibrahima Keta. Bailo Bari. Ibrahima Jallo. Une remarque s'impose. Aucune région de notre pays n'a été épargnée par les arrestations illégales dont étaient victimes nos braves leaders du FNDC. Dans sa lutte contre le troisième mandat en Guinée, le FNDC déplore la mort de 12 personnes arrachées à l'affection de leurs parents. Une centaine de blessés, dont la plupart sont atteints par les balles des agents des forces de défense et de sécurité. À cela s'ajoutent plus de 200 personnes arrêtées illégalement. Le FNDC vous garantit que tout cela ne restera pas impuni. Pour ceux qui pensent éteindre notre mouvement en assassinat ou en arrêtant ce leader, qui sache que c'est peine perdue. Le FNDC est un état d'esprit et on ne saurait arrêter sans mal, quelles que soient les intimidations, les arrestations et les répressions à venir. La seule personne capable de mettre fin aux actions du FNDC, c'est le président de la République, à qui il suffit juste de renoncer à son projet de troisième mandat. Faute de quoi, le FNDC va poursuivre de manière intense ses actions de contestation jusqu'à la victoire finale. C'est dans cet esprit que le FNDC invite tout le peuple de Guinée à observer des journées dimanche, le lundi et le mardi prochain, pour exiger la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de notre combat citoyen, notamment nos camarades de lutte. Corps et des Le FNDC appelle à une grande manifestation le mercredi prochain. Toutes les informations liées à cette manifestation vous seront communiquées d'ici la fin de la semaine. Le FNDC vous demande de rester à nous. Nous disons à nous l'entrée. Nous disons à nous l'entrée. Nous l'entrée. L'unité est la solution.
solidarité entre les Guinéens. À bas le troisième mandat. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie.